les yeux, doit être quelque chose qui doit porter aussi l'image et l'écriture de Dieu. Maintenant, si vous découvrez cette chose, prenez-la, amenez-la à Dieu. Amen. La chose là qui porte l'image et l'inscription de Yahweh s'appelle l'homme. C'est l'homme qu'on doit rendre à Dieu. Ce n'est pas, c'est pas la personne humaine. Je parle de l'homme. Je ne parle pas de la personne humaine avec la tête comme moi ici, les cheveux, qu'on sort. Non. L'homme là dont il s'agissait, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Faisons l'homme. Mettons-y dans l'homme, mettons notre image, mettons notre inscription, qu'il porte notre écriture. Et c'est cet homme-là qu'on doit rendre à Dieu. L'homme, c'est l'impôt de Dieu. L'homme doit revenir à Dieu parce que la dernière là revenait à César. Et qu'on devait rendre cette dernière à César. Comprenons que c'est l'homme qu'on doit rendre à Dieu, cet homme qui porte l'image et qui ressemble à Dieu, qui porte l'inscription de Yahweh, on doit la rendre à Dieu. Le Seigneur aime les offrandes. J'ai fait un constat, d'une manière générale, les esprits aiment les offrandes. Même les ancêtres, même dans nos croyances, partout, quand il faisait des choses, il faisait beaucoup de sacrifices. Il sacrifiait des poules, des coqs, des chèvres qu'il décapitait pour faire couler le sang. Il sacrifiait même des personnes civiles comme ça. Parce que les alliances qu'ils avaient, les esprits exigeaient, aiment beaucoup les sacrifices. Je vous ai dit, les premiers, c'est Dieu. Quand vous voyez le diable faire quelque chose en mal, il n'a fait que falsifier les biens existaient. Si le faux miracle existe, c'est parce que le vrai existe. Le faux ne peut pas exister sans le vrai. Ça n'a pas raison d'exister. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? On devait créer l'homme. J'aime, je vais dire quelque chose. Le pasteur nous a dit, et en tout cas c'était merveilleux. Il dit, Dieu a dit, faisons l'homme. Et il a bien expliqué. C'était Dieu dans toute sa divinité. N'est-ce pas? Excusez. C'est comme ça que Dieu aime travailler. Dieu n'avait pas manqué des noms à donner aux animaux. Dieu, quand il fait quelque chose, il cherche les associés. Dieu aime travailler en équipe. Il n'est pas comme quelqu'un qui veut, c'est pas de là, c'est pas bienvenu ici, c'est moi seulement. Non. Dieu travaille avec les hommes. Jésus est mort à la croix, il nous a donné la vie, n'est-ce pas? Quand vous êtes né, automatiquement vous avez la vie. Jésus n'est jamais arrivé chez vous à Kinshasa. Comment vous avez réussi cet évangile? Il a utilisé des hommes. Non, écoutez, vous savez quand cet homme le Samaritain qui est allé prendre et ramasser cet homme qui était tabassé par les brigands, il a conduit à l'hôtellerie, il a laissé dédaigner, il a dit quelque chose, il dit, prenez soin de lui. En mon retour, s'il manque quelque chose, vous faites quoi? S'il vous manque quelque chose sur ce que je vous ai donné, dépensez et moi je viendrai vous récompenser au retour. On n'a pas, il n'y a pas quelque chose à ajouter sur les dédaignés. Mais quand tu regardes dans la vision parfaite de Dieu, le dédaigné doit ajouter quelque chose pour qu'il soit récompensé au retour. Les sacrifices qui nous sauvent, c'est les sacrifices du Seigneur à la croix. À part les sacrifices du Seigneur à la croix, il n'y a pas un autre sacrifice pour notre salut. Mais pour que cette parole arrive à nous, il y a des gens qui ont perdu leur vie. Amen. Vous comprenez? Ils ont ajouté, et pour ça, ils doivent être récompensés. Mais ils n'ont utilisé que les dédaignés. Ce qu'il faut ajouter, ce n'est pas en dehors des dédaignés, mais ces sacrifices-là. Il a fallu que de Pierre soit décapité, avec tous ses courages. Pendant qu'on tue les gens, on nous cherche, nous prions librement ici. On cherche les gens qui prient, on vient, on trouve le pasteur, bienvenue, on les décapite, nous voyons.
pour nous intimider. On dit que personne ne revienne ici. Vous pensez que les samedis qui viennent, il y a quelqu'un qui viendra ici. Il a fallu que ces gens soient couragés, acceptent même la mort. C'est un peu semblable à l'air, Seigneur. Ils acceptent la mort pour que l'évangile nous parvienne jusqu'à la fin. C'est clair? Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », en fait, aujourd'hui, à part cet homme, si les gens disaient « Dieu est en train de faire l'homme, les hommes, je vous l'ai dit. » Dieu, avec son équipe, ils sont en train de faire les hommes à son image, selon sa ressemblance, aujourd'hui. Dieu crée par la parole. Il a pris le ministère de la parole, il a donné à ses ministres pour qu'ensemble avec Dieu, qu'ils puissent créer les hommes selon l'image et selon la ressemblance de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 4, il dit, jusqu'à ce que l'homme de Dieu soit accompli. Le ministère est en train de travailler pour créer cet homme-là qui était dans la pensée de Dieu, qui doit ressembler à Dieu, qui doit être l'image de Dieu. Paul ajoute, il dit, vous, vous êtes manifestement la lettre de Christ, écrite par notre ministère. C'est ça l'inscription que nous portons. Nous portons l'enseignement de Christ. Et nous avons son image. Celui qui parle, qui pense, qui réfléchit, qui agit comme un Dieu, je vous l'ai dit, c'est celui-là qui est homme. Les restes ne sont que des animaux. Même morphologiquement, comme ça, on peut les classifier comme des hommes. Ils sont des hommes par rapport à nous. Dans la vision de Dieu, ce ne sont pas des hommes. Dieu n'a jamais conçu, pensé dans sa tête et créé un homme impudique. Créer un homme voleur, créer un homme, il n'a jamais pensé à ça. C'était l'homme parfait. Amen. Alors, si quelqu'un vit dans ces choses, voleur, impudique, menteur, il n'est pas l'homme dont il s'agissait là. Il n'est pas cet homme-là, parce que Dieu n'est pas comme toi. Ce que tu fais là est contre la nature de Dieu. Alléluia. Dieu aime les offrandes. Aujourd'hui, Dieu crée avec par le verbe divin, par la parole, par l'enseignement. Dieu est en train de créer l'homme. À part le Seigneur Jésus-Christ qui nous a été présenté, vous et moi, nous devons être créés selon son image, selon sa ressemblance. Et cela, c'est par le ministère de la parole. Écoutez la parole. Ne se limitez pas seulement à écouter. Quand vous écoutez, vous devez penser aussi à pratiquer cette parole. C'est là que j'aime et c'est là que nous sommes faits. On se glorifie. On se contente d'écouter. On se donne pas la peine d'accomplir cette parole. Non. Frère, vous sentez cet enseignement ici. Quand vous écoutez, vous avez la vie. C'est faux. Quand vous écoutez, c'est une bonne chose. Voilà. Vous devez alors passer à la pratique de cette parole-là pour que vous ayez la vie. Amen. C'est là que les choses deviennent un peu difficiles. Et je vous dis, c'est là qu'on devient. Parce que l'image, c'est quelque chose de visible, non? Rendre la parole, rendre l'enseignement manifeste dans ta vie. Tu deviens l'image de Dieu. On n'est pas là pour... je parlais avec l'apôtre Patrick, nous ne sommes pas des journalistes. Je n'ai jamais été à Afghanistan, mais il suffit d'avoir des nouvelles. Je vous informe ce qui a été en Afghanistan. Nous vous prêchons ce que vous devez être, ce que nous devons être. Ce que moi je dois être, ce que toi tu dois être. Et nous devons faire un effort pour être cette parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Les hommes existent dans ce monde. Nous sommes des hommes. Ils sont des hommes. Mais l'homme, ici dans la parole, d'après la pensée, c'est quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a appelé l'homme selon les cœurs de Dieu. Il vous l'a dit. L'homme, c'est un autre Dieu. Quand Adam s'est réveillé de son sommeil, Adam a vu Ève.
Il a dit quoi? Voici un autre moi-même. Voici un autre moi-même. Voici la chair de ma chair, os de ma chair. Ça veut dire voici un autre moi-même. Adam s'est vu. Il s'est vu dans Ève. Voilà qui l'a appelé homme. Isha. Isha, c'est homme. Petit homme. En hébreu. Et nous sommes des dieux. La seule différence, que Yahweh Adonai, on l'adore. Nous, on ne nous adore pas. Mais nous sommes des dieux, par notre nature. Ce qui doit changer dans l'homme, c'est la nature. C'est ce qui fera de toi Dieu. C'est ce qui fera de toi l'image et la ressemblance des dieux. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. C'est merveilleux d'être un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui réfléchit. Avant de poser ses actes, il réfléchit. Il ne réfléchit pas comme un calcul mental et 3 plus 5 égale. Non, il réfléchit à partir des Écritures. Il va régler sa conduite par rapport à l'enseignement qu'il connaît. Avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, il doit se référer aux Écritures. C'est celui-là qui est homme. Un animal agit par instinct. Sentiment par émotion. Nous ne faisons pas les choses par sentiment. J'ai envie de trouver une prostituée. Je m'en vais chercher une prostituée. Ça peut venir en tant qu'humaine. Je vais le faire en enseignement. Je ne peux pas le faire. Moi, je suis un homme. Je ne le ferai pas. J'ai détruit ces sentiments en moi. Je n'agis pas par sentiment. J'agis selon la volonté et la pensée de Yahweh. Mon souci, c'est de chercher de savoir ce que Dieu veut. Pour que je puisse le faire, c'est celui-là qui est l'image. Payer à Dieu l'impôt. Mais le vrai impôt que le Seigneur attend de vous, c'est toi, c'est ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de toi, plus que ton argent. Tu peux refuser de lui donner ton argent, mais c'est toi qui le veux. Mais aussi, il est impossible. Quelqu'un qui se donne à Dieu, il ne refuse pas non plus de donner à Dieu son argent. Parce que Paul l'a dit, ils se sont d'abord donnés qui? Au Seigneur et après à nous. Quand je vois quelqu'un ne veut pas offrir au Seigneur, c'est qu'il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Parce que, quel est le plus important d'après vous? C'est vous ou c'est votre argent? C'est nous. Devant Dieu, ce qui est important, c'est votre cœur ou c'est votre argent? D'abord, offrez vos cœurs. Donne à Dieu ton cœur. Facilement, tu vas lui donner des biens. Ta voiture, ton argent. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vous savez, cette histoire de libéralité, les gens pensent que la libéralité, c'est l'enseignement de la grâce. Dans la loi, il y avait la libéralité parce que le tabernacle a été construit par la libéralité. Ça existe librement, les gens ont donné. On a construit le tabernacle. Prenez de tous ceux qui ont animé de bonne foi. Dieu a précisé qu'il donne librement. Tu as le pot de dauphin, tu amènes. Tu as le bois d'acacia, tu amènes. Tu as un peu de l'or, tu amènes. Tu as librement. On n'a pas déterminé. Il faut venir avec quantité telle comme ça. Les gens ont donné. Ça existait. Ça existait. Non, il ne faut pas insister sur l'argent parce que. Bon, il faut insister sur quoi? Qu'on insiste sur le péché, non, librement ça. Il faut prêcher seulement le Saint-Esprit. Vous voulez qu'on insiste sur quoi? Paul dit insister. Nous devons insister sur l'argent, nous devons insister sur le péché, nous devons insister sur la puissance des dieux, nous devons insister sur tout. On doit insister. Amen. On doit insister. Dieu nous connaît. En notre nature, il n'est pas facile de nous débarrasser. Le péché est bon. Laissez-moi vous dire, parce que c'est Ève qui nous a dit ça. Lorsque Ève regarde l'arbre, l'arbre était bon, agréable, précis. Pendant qu'elle n'avait pas encore mangé, là nous avons nommé quantité, trois qualités. Bon, précis, agréable. Comment tu peux résister? Ton mec, tu as déjà goûté. Elle ne pouvait que manger. Et quand le diable vient, le péché, il veut vous présenter le péché, il habille ça très bien. Avec toutes les séductions possibles, un peu de la ruse mêlée, pour que vous ne puissiez pas voir que c'est ça le péché. Trop des philosophies, des gymnastiques, ils cherchent un verset, ils collent là-bas,
Il cherche quelque chose, il a mal de l'autre côté. Et quand toi, tu regardes, tu vois une verset là-bas, tu regardes, tu vois où c'est, mais c'est biblique. Tu ne comprends pas que s'il dérange. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez vos corps, votre cœur au Seigneur. Si vous avez son inscription, si vous avez son image, alors vous êtes un homme. Et cet homme doit se rendre à Dieu. Ça, c'est le véritable impôt. C'est obligatoire. Vous devez vous payer à Dieu. J'ai dit, vous devez vous. L'impôt, c'est obligatoire. C'est pas une libéralité. Non, comme si vous voulez. Non. Celui qui se reconnaît qu'il est homme, il doit se payer à qui? À Dieu. Il devient l'impôt. Obligatoire. Vous allez refuser de servir le Seigneur. Pour servir qui? Mes frères. Mon souci, quand j'ai toujours prêché, c'est pour que nous puissions vivre la parole de Dieu. Pour que cette parole devienne notre vie. Pour que nous puissions pratiquer cette parole. C'est ce qui fait la gloire de l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. On a tenté, l'apôtre nous a parlé de quelqu'un qui se passe pour le voici l'homme. Je me demande quand on l'appelle voici l'homme. Ça se fait dire quoi? C'est lui qui est l'homme? Ou bien c'est qui est l'homme? Parce que lui s'appelle voici l'homme. Je ne sais pas si son père et sa mère lui avaient donné ce nom, mais on l'appelle voici l'homme. Est-ce que c'est un nom? C'est lui qu'on présente? Ou bien c'est lui qui présente? Bon, okay. Si c'est lui qui présente, voyons comment il présente cet homme-là. Il nous présente un homme? Ou bien il nous présente un poisson avec la tête d'un homme et les mains d'un homme? Quelque chose adapté d'un bébé qui veut ressembler à un homme, qui a des comportements qui n'est pas loin d'être animal, mais seulement qui donne des apparences d'un homme, la manière de réfléchir, de faire les choses comme s'il était un homme. Mais c'est un poisson, c'est une créature. Dieu n'a pas créé une chose pareille. Moitié homme, moitié taureau, on a appris ça. Moitié homme, moitié taureau. C'est pas ce que Dieu a créé, ça s'appelle comment? C'est un monstre. Dieu a créé un homme différent d'un animal. De par ses comportements, de par même la façon de former, Dieu a investi. Ce qui me fait très mal, parlons de l'homme, c'est la seule créature que Dieu a créée, qu'il a manifesté l'amour, qu'il a tout fait. Et c'est la seule créature qui désobéit à Dieu. Les oiseaux écoutent Dieu. Il appelle un corbeau, prend les pains, les gâteaux, va donner cet homme-là et là qui est en train de plaire. Le corbeau, il mange les pains, il mange les poissons, mais parce que c'est Yahweh qui a parlé. Même s'il avait faim, il ne va pas manger. Il appelle un poisson, tu vas recevoir. Le poisson a vu plusieurs colis descendre dans l'eau. Il a vu des colis. Amen. Mais il attendait un colis. Il dit, ça, attention, il ne faut pas digérer. Ça, il faut garder dans ton estomac. Il ne faut pas mâcher. Le poisson dit oui. Il voit les colis descendre, il garde les colis dans son estomac. Dieu lui donne des instructions, ça y est, va vomir. Il va vomir. Le poisson n'est pas créé à l'image de Dieu. Il parle à l'un des Balaam. Il dit, mais toi tu as été toujours avec moi, j'ai toujours fait des choses pareilles. Tu vois ce que moi je vois ici. Les créatures obéissent, l'homme rébelle. C'est lui qui peut guider, qui peut insulter Dieu. Ce n'est pas un animal, c'est l'homme. Alors cet homme-là n'est pas l'homme parfait. Cet homme-là n'est qu'un animal, mais avec la morphologie d'un homme. Dieu a tout fait pour nous. Et il nous promet encore, je dirais, le meilleur est à venir. Ce qu'il a réservé pour nous, nous ne le savons pas, mes frères. Vous pensez, moi, quand même, avant de venir aux États-Unis, je ne sais pas si avec vous, vous pensez que les États-Unis, ici, c'est un petit paradis. Ici, c'est le paradis, c'est l'enfer. Depuis le premier jour où je suis arrivé, je vous ai dit, je n'aime pas ces pays. Excusez-moi, pas dans le sens de tout ça, mais je n'ai pas habité ici. Non, il y a un pays qui nous attend.
Les États-Unis ne peuvent même pas s'approcher d'un ou des quoi.